Youtubeurs et youtubeuses, Twitchers et Twitcheuses. Hop hop hop. Hello, coucou. Salut, mes petits loups. Nous sommes actuellement sur Tezo. Oh ouais, Tezo. Tezo, hop. Je n'en reviens pas que nous ayons trouvé une graine corrompue à Ostumir. Que ce soit la remémorance qui ait fait pousser la nouvelle forêt dans le Weald occidental, et de surcroît que mon ami Sorilen les ait aidés. Je sais que Leramil veut vous parler, mais j'aimerais savoir ce que vous avez découvert d'autre. Une invasion lancée depuis Mur de Rouille aurait pris Skingrad entièrement par surprise. Je suis heureux que la tribune et vous ayez pu les en empêcher. Mais la remémorance qui travaille avec des Dédras, voilà un nouveau développement bien inquiétant. De réputation seulement, nous venons de nous rencontrer. Je sais qu'elle règle les problèmes pour le comte Calanthius, alors je m'attendais à la croiser tôt ou tard. Et elle avait également entendu parler de moi, ce qui l'a amené à ma porte. Avez-vous appris quelque chose? Itélia, le prince des draps que Leramil et vous cherchez? Et vous l'avez rencontré? Incroyable! Mais pourquoi la remémorance la cherche-t-elle? Ils n'ont pas... Oh, non, rien. Je pense que vous devriez aller parler à Leramil. Je dois réfléchir à tout ceci. Notre enquête est terminée, agent. Venez discuter. La rencontre d'une conformation matérielle de... Enfin, je pensais qu'il nous faudrait plus longtemps pour rencontrer Itélia face à face. Nous avons déterminé que les soupçons sur ses destins élimés étaient exacts. Chaque lieu est lié à Itélia. Que la remémorance et les Dédras de la Lande Miroir cherchent à restaurer Itélia. C'est eux qui ont provoqué cette nouvelle forêt et toute cette dévastation de la fulgurance sauvage. Et Itélia parcourt le Weald occidental et commence à recouvrer la mémoire. Pour m'avoir aidé à atteindre ses conclusions, acceptez cette récompense. Parlez avec Beragon. Voyez s'il a une idée pour la suite. La présence d'Itélia désolidarise toutes les conséquences. Je suis presque incapable de percevoir les fils du destin et encore moins de déterminer ce qu'il faut suivre. Peu de gens sortent la responsabilité de protéger la réalité elle-même. Si nous nous trompons quant à ce qu'il convient de faire, ou si nous échouons, un désastre se produira. Je n'aime pas prendre des décisions sans connaître les tenants et les aboutissants lorsque les enjeux sont tels. Je pense que nous devons diviser nos efforts. J'aimerais me pencher sur une certaine anomalie. De votre côté, Beragon et vous devriez vous pencher sur la remémorance. Et leur plan. Voyez ce que vous pourrez découvrir sur la graine de la fulgurance sauvage obtenue à Ostumir. Je vous rejoindrai plus tard. D'accord. Voilà, on a ça. Oh, 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 oh. J'ai réfléchi à Ostumir et à vos enquêtes avec Leramil et la tribune Aléa. La remémorance était impliquée à chaque fois. Nous devons comprendre ce qu'ils préparent. La graine de fulgurance sauvage découverte à Ostumir pourra peut-être nous y aider. J'ai réfléchi à Ostumir et à vos enquêtés. Je ne suis ni par nature ni trameur, mais je sais reconnaître une graine corrompue. Si nous pouvons remonter jusqu'à la source de la corruption, nous trouverons la remémorance. Par chance, il y a des experts de ce genre de choses tout près, dans la ville Bosmer de Vachabar. Les Bosmer qui respectent le verre refuseraient toute interaction avec une graine de fulgurance sauvage. Mais je veux la montrer à une pâle nature. Si elle peut nous dire comment cette graine a été fabriquée, cela pourrait nous conduire à la remémorance. Aidez-moi, et je vous paierai. Thank you.
Tenez, par prudence, mieux vaut que vous gardiez la graine de fulgurance sauvage. La pâle nature d'Arolite à Vachabar devrait pouvoir nous apprendre des choses à son sujet. Entrez dans Forestaube par la route d'or et tournez vers le nord. La tribu Naléa et moi vous rejoindrons sur place. Oui, c'est un peu fastueux. À l'époque où j'étais aventurier, j'ai aidé une riche famille colovienne. Ils m'ont offert un de leurs hôtels particuliers qui était vide. J'avais de quoi le rendre habitable, et c'était un vrai gâchis de ne pas l'utiliser. J'ai vécu un peu partout en Tamriel, et Skingrad est une ville plutôt agréable. Il se passe toujours quelque chose, et on reçoit des nouvelles de tout le continent. Jusque très récemment, aucun habitant du Wayald occidental ne regardait les elfes des bois de travers. Depuis l'apparition de la nouvelle forêt, que les Bosmeurs de Vachabar ont appelée Forestaube, le reste du Wayald occidental est nerveux et se méfie des elfes des bois. Je vis ici depuis des années, mais soudain, je suis un étranger. Ça pourrait dégénérer. Oui, cela me perturbe aussi. Les pâles natures sont des mages qui travaillent dans le pacte vert pour façonner la forêt selon nos besoins. Chaque village elfe des bois possède un pâle nature qui fait pousser les nouvelles maisons ou façonne des outils nécessaires. C'est un art que mon peuple chérit. Vous avez vu comme moi ce qui s'est passé à Ostumir. Ma vieille amie Sorilène s'est égarée. Si elle a participé à l'utilisation des graines de fulgurance sauvage, cela signifie qu'elle a tourné le dos au pacte vert. Je ne sais pas si l'on peut commettre un tel acte et conserver le titre de pâle nature. J'estime que la remémorance est une résurgence d'une antique secte Éléide. Les Éléides n'ont pas seulement disparu à la chute de leur empire. Beaucoup se sont réfugiés dans les terres avoisinantes. Certains elfes des bois demeurent convaincus qu'ils en sont les héritiers. Il semble que la remémorance n'existait pas il y a un an. On dirait que des centaines d'individus se sont réveillés un jour pour former une nouvelle secte. Ils sont convaincus qu'on leur a pris quelque chose qu'ils veulent récupérer par tous les moyens. Elles pillent des ruines antiques, elles recrutent d'autres égarés. Ce sont surtout des elfes des bois, mais pas exclusivement. Je ne sais pas ce que la remémorance croit avoir perdu, mais ils sont aux abois. Et cela les rend dangereux. Et nous savons qu'ils travaillent avec des Dédras. Oui, cela me perturbe aussi. Les pâles natures sont des mages qui travaillent dans le pacte vert pour façonner la forêt selon nos besoins. Chaque village elfe des bois possède un pâle nature qui fait pousser les nouvelles maisons ou façonne des outils nécessaires. C'est un art que mon peuple chérit. Vous avez vu comme moi ce qui s'est passé à Ostumir. Ma vieille amie Sorilène s'est égarée. B pour effort, voilà, on a encore du monde. Vœux objets à des marchands. 10 insectes orachnides. Une quête à Avroglaï. 20 objets à des marchands. D'accord. Attendez, hop. Est-ce que ça monte? D'accord. Alors. Ouais, je vais aller à la marge de la Camargue, c'est tout. Point bas. La marge de la Camargue. Est-ce que ça compte comme oui ou pas? Objet. Ce sont des objets volés, d'accord, mais est-ce que ça compte? Et y'a. Alors, la marge de la Camargue, hop. Ouh, c'est bon.
confirmé. Ah. Ne vous inquiétez. Toutes. D'accord, non, pas du tout. 20 objets à des marchands. D'accord. Puis-je faire quelque chose pour vous? Ok. C'est plein de marchands. Alors, tu es 10 insectes ou rapides. Ok, 10 insectes ou rapides. Eh bien, nous sommes au bon endroit. Les insectes. Oui, très très bon endroit. Page.
sortir le pot. Quelqu'un est déjà venu piller. Au bas. Baccara a parlé de votre dévouement dans le premier. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est beaucoup d'insectes, hein. Les guêpes. Cela nous ferait utile. Je connais une qui ne serait pas contente. Normalement, on peut repérer. Non, ça, ça va. Alors, gain de niveau, mon copain. Hey. Collaboratif. Menu du compagnon. Bam. Oui, oui. Ah. Parole. Non.
Hop, de la plume. Ça, on l'a, et ça. Ah non, ah bah non, il y a toujours rien. Tant pis, et bâton de rétablissement. On a tout, voilà. Bon, écoutez. Prochaine fois, ce sera ça. Force. De 28 mètres zone. Niveau 20, d'accord. Éruption de tentacules vigoureuses. 2 secondes. À 8 mètres, 200 ultimes. Ce qui augmente les dégâts qu'ils subissent de 10%. Ouais, donc là, on a tout. Ça peur. Mais l'ennemi face à la vérité impossible. Puis on a peur pendant 4,1 secondes. Ce n'est même pas de l'agression, c'est de la peur. De la peur, il a. Magie et vigueur, ouais. Ça c'est combien? 17, donc dans 4. L'APP, ressort dans le monde. Oui, lisse des cimes. Bonne trouvaille, Cord. Ah. Oui. Bien grave. On ne peut pas prendre le portail. Oui, on a fait. On a fait donc ça, mais maintenant il va nous manquer ça. Arme empoisonnée. Avec arme empoisonnée. Où est-ce qu'on pourra aller pour faire ça avec des armes empoisonnées? Ça va être bien plus long. Donjon. Ah oui, on va voir s'il y en a. Ah, des add-ons que l'on a mis récemment. Extension, allez hop. Délit et chemin. Ah non. C'était pas bon. Hop. C'est quoi ça? Extension.
Auto-catégorie. Auto-auto. D'accord. Ok, d'accord. Ok. Donc, on est là. Eh bien, on va faire tout ce qui est possible de faire. À côté. On peut pas le faire ici. On peut pas prendre un portail. Non, non, ça va être beaucoup plus marrant. Beaucoup plus marrant. Beaucoup plus marrant. Thank you.
Instable. Instable. C'est plutôt pas mal. Je vais passer par là et ensuite faire ça. C'est un donjax ? Non, c'est pas un donjax. Si, si, c'est un donjax. Donjax. Donjax.
ça va être par là. Non, on peut pas passer par là. Non, 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 d'accord. D'accord. Hop. Et Wawa, c'est un batrachien. Semblez à ce loup. C'était beau, non? Waouh! On a fait un beau saut. Mais qui va mettre des bougies ?
Apocrypha. Oui, je le sais, mais on court normalement puisque on a mis les points. Ah. Ok, d'accord. J'ai pas eu à m'arrêter du tout pour des problèmes de mana. Pas de problème de mana, la 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 la. D'accord. Il y en a un autre problème.
Un roi magique. Ah waouh 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 waouh. Alors, peut-être que c'est par là. Bam. Ça en a fait. Monte. Deuxième champion. Hop. Confirmé. On en a encore un. Hop. Non, alors. On veut voir si la chose à faire, c'est tout simplement pas. Ah non, 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 non. Ah si, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. C'est en haut. D'accord.
des hostilités. Un peu de repos. On y est, on est en train d'y aller. Voilà. Pas de boss, d'accord. Hop. Ça ne fait rien. Weld. La suite de quête normale. Tiens. Ah si.
plus rapide. Droit. Voilà, c'est labyrinthesque, hein. Merci. Waouh, 102. Quoi ? C'est tout. Oh purée.
J'ai cru voir un moment un interrupteur. D'accord. Entrez quoi du de Wendir. Ok, d'accord. J'ai fait une bêtise. Ah non, c'est bon. On n'a pas à tout faire. Salle des vassaux. Ok. D'accord, on peut pas ouvrir. Ni là, ni là. D'accord. Bon, ben c'est un labyrinthe pas tip-top. Okidoki. Encore trop de choses à faire. 3, 2, 1, hop. Minuit 20. Bon, on va taper les mobs. On tapera les mobs, mais on va faire les quêtes en premier, quoi. Où faut-il aller? La la li, la la la. Thank you.
la brisée. Qu'est-ce que tu fous là, toi? T'as peur? Bon, bah écoutez, quelqu'un qui a peur. Ça ne fait rien. C'est quoi ça?
Prenez le meilleur. Ah mais ce qui a quand même un peu beaucoup embêté, ce sont ces sorts. Trois endroits, oui, enfin, 3 fois 2, 6. Et hop, ça tourne, et hop, ça tourne, et hop, ça tourne. Ça tourne, ça tourne. On a quand même bien tapé. Hein. On a quand même bien tapé. On a un autre donjon. Mais ici c'est nouveau. La caverne du flambeau. On le dit, on l'a niveau trouvé. Patati patata. Et voilà. Ah. Est-ce qu'il y a une quête? Voilà, on aura une quête à faire ici. J'espère que vous n'êtes pas une goutte sans que vous durerez ce qui reste. De perfection. Ah!
diable! Ne vous appartenait pas. Vous n'aviez pas le droit d'y faire pousser une forêt. Tribune, ça suffit. Très bien, vous n'avez qu'à vous débrouiller avec la mercenaire. Pardonnez-la, par nature. Que pouvez-vous nous dire sur le grain que mon ami vous a apporté? Un soldat colovien ne peut pas arriver en ville et lancer des accusations comme ça. Sans Véragon, il n'appartient pas à notre colonie, mais nous connaissons tous ses exploits. Alors, qu'avez-vous à montrer? Vraiment? Eh bien, regardons un peu. On dirait une graine de parle nature, mais je n'en ai jamais vu de semblable. Elle est imprégnée d'une énergie étrange. Les graines de source verte sont ce que les parle nature utilisent pour faire pousser de nouvelles sections de forêt et en faire des maisons ou des enceintes. Nous en avons utilisé pour créer Vachabar. Mais celle-ci est corrompue. Enfin, il y a quelque chose de... Attendez. J'ai déjà ressenti ça. J'étais partie en exploration. Forestov est certes une bénédiction, mais je m'interroge sur ses origines. Et cette zone dévastée m'inquiète. J'ai croisé des elfes des bois avec un chariot couvert. Il avait un fumet de magie étrange. Ça devait être une de ses graines. Fumet. Fumer. Quel doux fumet. D'accord. Tenez, je vais l'indiquer sur votre carte.
J'ai rencontré les elfes des bois avec leurs chariots couverts dans les collines à l'est de la veine gauche. Si vous trouvez d'autres graines corrompues, brûlez-les. Et ne vous inquiétez pas, je détruirai celles que vous m'avez données dès que j'aurai fini de l'examiner. La tribu Nalea lit une menace dans les yeux de chaque gorgon. Mais elle n'a pas forcément tort. J'ai entendu des rumeurs, des réunions secrètes des elfes suivant les chemins abandonnés depuis l'adoption du pacte vert. Certains adeptes de l'obisme pourraient être liés à la remémorance. Notre nouvelle agglomération est peuplée de deux factions bosmeurs différentes. Ceux qui observent le pacte vert et ceux qui suivent l'obisme. Ces elfes-là cultivent la terre et coupent le bois. Mais ils n'abuseraient jamais des présents du vert en corrompant le rituel de la source verte. Les elfes des bois sont les enfants du vert. Il y a bien longtemps, nous avons... Tenez, je vais l'indiquer sur votre carte. La tribu Nalea. Notre nouvelle agglomération est peuplée de deux factions bosmeurs différentes. Les elfes des bois sont les enfants du vert. Il y a bien longtemps, nous avons juré de ne jamais nuire à la forêt vivante. Nous ne coupons pas le bois. Nous ne cueillons pas les fruits. En échange, la forêt nous abrite et se plie à nos besoins. Les adeptes de l'obisme suivent une autre voie. Nous n'avons rien à voir avec l'apparition de Forêt Rose. Le roi Nantarion nous assure qu'il s'agit d'une extension naturelle de Valboisé. Sa croissance soudaine prouve que notre destinée est de reprendre cette terre qui fait partie de notre héritage. Le roi Nantarion. Forest Aube est le nom que nous donnons à cette nouvelle forêt. Le puissant Valboisé se trouve au sud, de l'autre côté de la Stride. Le roi Nantarion a rassemblé les Bosmeurs qui voulaient un nouveau départ et a profité de cette nouvelle forêt pour fonder Vashavar. Cela n'a aucun sens. Je ne connais aucun rituel capable de faire pousser une forêt aussi vite. Si la graine de source verte corrompue, cette graine de fulgurance sauvage, en est capable, je dois vraiment l'étudier. Je dois déterminer si la souillure de la graine s'est propagée au vert. Je dois mener des tests, une étude détaillée. Mais si je devais émettre une théorie, je pense qu'elle porte la souillure de la magie d'Edric. Ce qui pourrait expliquer cette explosion d'énergie sans précédent. Et la zone de dévastation en lisière, la fulgurance sauvage. La tribu Nalea lit une menace dans l'île. J'ai en effet déjà entendu parler des graines de source verte. Si la remémorance a pu corrompre les graines sacrées du vert avec la magie d'Edric, c'est impensable. Avant de partir chercher ce chariot, nous devrions parler au roi Nantarion. D'accord. Le roi est une personne intéressante, charismatique, visionnaire. Il a vu une occasion et a rallié les elfes des bois pour fonder cette agglomération. D'après ce que j'ai compris, il est plus adepte de l'obisme que du vert. Nous devons le prévenir. Que ses sujets sont en danger. S'il est impossible de forcer des elfes des bois à s'écarter du vert, serait-il une mise à part, les adeptes de l'obisme, quant à eux, seront des proies faciles pour la remémorance. Il faut prévenir le roi. D'accord. Ah, c'est du pillage, ça s'appelle du pillage. Hey! C'est un cadavre? Hop, le boom. Yeah! On n'a peut-être pas la France, hein. Thank you.
l'autre côté. Halte ! Le roi Nantarion ne reçoit pas sans une bonne raison. Nous avons une bonne raison. Nous venons le mettre en garde contre un danger qui pèse sur Vashabar. Très bien. Mais le légionnaire doit rester ici. Très bien, je vous attends ici. Merci, Tribune. Venez, mon ami. Salutations, étrangère. Chacun est le bienvenu à Vashabar. Mais dites-moi, qui entre dans mon humble demeure avec Béragon, le héros du col de Nungenir? Et quel danger annoncez-vous pour notre modeste ville? La remémorance? Oui. Nous avons entendu parler de ce nouvel ordre, mais il n'a aucun lien avec Vashabar. Pensez-vous vraiment trouver des agitateurs aussi violents dans un hameau pacifique? La part de nature sur Ylaine nous a aidés à nous installer à Forestourbe et à créer notre vie. Mais cela fait des semaines que je ne l'ai pas vue. J'imaginais qu'elle était repartie à Valboisé, une fois son rôle rempli. Tout le monde n'est pas disposé à abandonner le confort et la familiarité. Une graine de fulgurance sauvage. Je n'en ai jamais entendu parler, mais je ne suis ni trameur, ni parle nature. Et que pensait Darolite de cette graine étrange? Je sais qu'elle essayait de comprendre comment notre Forestaube avait pu apparaître. Soupçonne-t-elle un lien entre les deux phénomènes? Ce n'est pas très loin d'Espiracine, notre nouvelle ville. Le comte Calanthius a refusé notre coopération, alors je ne peux pas vous aider directement. Mais si vous en apprenez davantage, venez me voir à Espiracine. Espiracine se trouve au nord de Vashabar, juste avant d'entrer dans la région dévastée. Je vous attendrai sur place pour superviser l'établissement de notre nouvelle colonie. Bonne chance, aventurière. Je dirige les colonies de Vashabar et Espiracine dans Forestaube. Les Bosmeurs qui me suivent voulaient se couper de la lutte incessante pour le trône impérial. Alors, lorsque le ver a étendu la forêt au nord dans le Wehan occidental, j'y ai vu un signe. Les terres entre Skingrad et Kavach étaient presque abandonnées après cette dernière décennie de troubles. La vallée de la Stride était une frontière prête à être colonisée. Lorsque le ver a agrandi la forêt, j'ai emmené mon peuple hors de Sylvenar pour qu'il se construise une nouvelle patrie. Je suis l'héritier d'une noble famille du Sylvenar, la Maison Ville. Sous le Second Empire, nous avons pu régner sans interférence de Cyrodiil ou de Fanracin. De nombreux elfes se souviennent encore de cette époque avec tendresse. J'acceptais cette couronne lorsque le peuple me l'a offerte. Chacun est le bienvenu à Forestaube, quelles que soient ses convictions. Certains suivent le pacte vert, d'autres cherchent une nouvelle voie, l'aubisme. Vous savez, les racines de l'aubisme sont tout autour de nous. C'est pourquoi le vert a créé cette nouvelle forêt et nous y a menés, je pense. Vous ignorez que nous nous trouvons dans les domaines des Saliaches. Ce que vous nommez parfois Éléides, ce sont les ancêtres de mon peuple. Les ruines qui nous entourent sont leur héritage. Non, leur héritage, ce sont les Bosmeurs. Le sang Éléide court dans nos veines. Comme beaucoup de Bosmeurs, je connais bien les actes héroïques de Béragon d'Agvive. Je l'ai aperçu en ville récemment, et j'ai tâché de me mettre au courant de ses nouveaux exploits. Il a sauvé bien des Bosmeurs à Ninglenir, à ce que l'on m'a dit. Vous devriez lui poser la question.
Allez, son. Oh là 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 là. Nous nous retrouverons près de la veine gauche, mon ami. Plus tôt nous trouverons cette nouvelle graine, mieux ce sera. Ah 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 ah. Vous y avez passé un long moment. Qu'est-ce que Nantarion avait à dire? Le comte ne connaît pas Nantarion. Ses elfes des bois et lui sont arrivés juste après l'apparition de la nouvelle forêt, sans même s'annoncer. Rien d'étonnant à ce que le comte ne lui fasse pas confiance. Nantarion a-t-il parlé de la remémorance? Pas impliqué? Bien sûr qu'il ne le pense pas. Quant à demander de l'aide à Nantarion, cela dépendra de ce que nous trouverons. Je sers le comte Calanthus et la Légion, pas un roi autoproclamé. Retrouvons-nous à l'endroit indiqué par la parle nature et allons chercher cette graine. Et là, ça doit être l'endroit où c'est fermé. Attendez. Eh oui, on doit le faire à pied. Pas de lumière pour le moment. Voilà, hop. Aucun bœuf. J'ai toujours su que les Billingards ne nous jetaient rien de bon. Bien joué. Un bel endroit ici, apparemment.
Ah. Quel cadre inédit. Il faudra qu'on y revienne un jour. Oui, on va y aller très bientôt. Yeah. Nous allons revenir très bientôt. Oups, oups, oups. Une grotte. Ok, d'accord. Vous créerez quelque chose d'étonnant avec ça. Apparemment, il peut y avoir un bug à l'intérieur. Mais ça, ce sera dans une suite de quêtes, à mon avis. Rien de guêpe.
Ah oui, un ma boss. De cette... Arrière! Oh, pardonnez-moi! J'ai trouvé cette nécromancienne qui succombait à ses blessures. Arkane a maintenant reçu. Mais faites attention, voyageuse. Les gens de la région affirment que Nonangalo est hanté. En tant que prêtre d'Arkane, il est de mon devoir d'enquêter sur le phénomène. J'ai trouvé cette pauvre âme qui rendait son dernier souffle. Je vous en prie, j'ai besoin d'aide. Je ne peux pas régler la situation seule. Quelque chose a tué les nécromanciens à l'intérieur de ces ruines. Mais je pense qu'ils sont revenus de la tombe pour poursuivre leur rituel. Ces esprits sont un affront pour Arkane, et nous devons les exorciser. Je vous récompenserai pour votre aide. J'ai trouvé un journal parmi les affaires de la nécromancienne. Il révélait les débuts du rituel. L'interruption du sort devrait apaiser les esprits et sonner le glas de leur plan. Lisez le journal, mais prenez garde. Ce qui a tué les nécromanciens se trouve peut-être encore à l'intérieur. Nous devons rassembler les objets utilisés pour le sort, les emporter loin du site du rituel et brûler tous les cadavres corrompus que nous trouverons. Nous devrions également détruire les morts vivants qui rôdent dans ces ruines. Leur âme ne pourra pas partir avant que leur corps n'ait trouvé le repos. Toute nécromancie est sacrilège aux yeux d'Arkane, mais ce rituel spécifique pourrait mettre tout le Weald occidental en danger. Les nécromanciens tentaient de ressusciter une armée de morts-vivants. Je tremble en pensant à ce qu'ils comptaient en faire. Qu'Arkane me vienne en aide, j'ai travaillé avec Pyr. Vos connaissances nécromantiques pourraient s'avérer utiles, aussi répréhensibles soient-elles. Mais si je péris, n'impliquez pas mon cadavre dans vos pratiques contre nature. Je préfère rester mort. Je me tâte. Remets André, nous pouvons enfin commencer le travail. Entre le lavabo, le lavabo, gauche, droite, milieu, ouais. Ah oui, d'accord. Le rituel les réveillera. Le rituel les réveillera. D'accord, s'il vous plaît. Thank you.
Ah ouais. D'accord. Ah. Ouais. Nonongalo entre. Le nom de Nonongalo se traduit plus ou plus par l'endroit où peu de personnes vivaient. Peut-être parce que le site était réservé à Lockup. Voilà, on va pas trop vite, on ne va pas trop vite. Nous devons trouver et brûler les cadavres qui alimentent le rituel. Le rituel a déjà éveillé une partie des morts dans ces ruines. Nous devons faire vite. Carcaine nous vient en aide. De puissantes énergies nécromantiques sont à l'œuvre. Nous devons approcher d'un des objets du rituel. Ce ne sont pas des morts vivants. Ah, parce qu'il y a encore. Là, ça t'explique. Continuons d'avancer. Il reste des morts vivants à exorciser. Le pauvre Darkrai vous trouvera. Oh.
cercueil nous protège. Quelque chose d'infâme approche. Ne m'approchez pas, espèce de monstre. Ne vous faites pas d'idée. Cette dague est souillée. Ah. Ah ha ha. Vous trouvera.
Wow. Wow. Ah bah pas mal, dis donc. Le rituel gagne en force. N'oublions pas traîner ici. Il reste beaucoup à faire. N'approchez pas, espèce de monstre. Père.
temps. De corruption en ce lieu, mais je crains qu'il ne reste ailleurs. Un problème. Thank you.
Et des fois, je peux courir vite. À un moment, si vous vous souvenez, c'était une pièce à boss. Une pièce à boss, oui. Aller dormir. Pas encore. C'est terminé. L'énergie nécromantique rémanente va se dissiper d'elle-même. Retrouvez-moi à l'entrée de ce lieu midi. Magicien.
Garçon, t'es où? Le bon matériau fait les bons outils. Et... ah, on a terminé, on a terminé. Par contre, garçon, t'es où? Ah, tu es là. Arquet vous sourit, mon ami. Votre aide pour arrêter ce rituel a enfin donné le repos aux esprits de Nonengero. Vous avez sauvé les vivants et les morts du Weald occidental aujourd'hui. Arquet soit loué, c'est terminé. Je sens déjà que l'énergie nécromantique reflue. L'air semble plus léger. Je ne sais pas. Ils étaient peut-être attirés par l'énergie nécrotique générée par le rituel. On parle d'attaques d'Edric similaires dans tout le Weald occidental, mais personne ne sait d'où ils viennent. Je les mentionnerai dans mon rapport. Je vais le prendre. Quelqu'un doit s'en occuper. Le temple d'Arquet a des mesures de sécurité pour protéger ce genre d'objets dangereux et les empêcher de faire le mal. Ah. Merci, mon ami. Comme promis, voici un gage de mon estime. Avec un peu de chance, nos chemins se recroiseront dans des circonstances moins sinistres. Et maintenant, j'aimerais un bain chaud pour laver toute cette crasse funèbre. Vu l'odeur, vous devriez en faire autant. Souvenez-vous, la vie n'a aucun sens sans la mort. Voilà pourquoi l'église d'Arquet refuse toute forme de nécromancie. Nous avons fait du bon travail, mais je suis prêt à retourner à mes responsabilités. J'ai toujours trouvé la vie au sein de l'église plus ordonnée qu'au dehors. Je vais retourner auprès de mon ordre à Skingrad pour prévenir les prêtres que Nonengalo a été exorcisé. La Légion veut aussi savoir que nous avons rencontré des Dédras. Ils voudront certainement enquêter. Il reste du travail à faire là d'où je viens. Je dois rentrer. Qu'Arquet vous bénisse, voyageuse. Je sais. Normalement, on a terminé ça. Et je veux quand même voir si on peut essayer de... De taper le mob. Cela nous ferait utile. Attention!
vous êtes blessé? Je survivrai. Merci, Bera. La Romulorange nous a pris en embuscade, comme s'il savait que nous arrivions. J'ai aperçu la graine sur la colline. Mon ami, détruisez la graine. Nous retiendrons la remémorance. Puis-je vous aider? Oh là là, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Les ordures, ça vient. Rien dedans, y'a rien. Rien. Thank you.
Bon. Je suis content de vous voir. Oh, pareil. Excellente sélection. Cœur de Marat, une récompense bonus. Tout révélé. Vos caisses sont épuisées, mon ami. Bon, ça ne fait rien. Mais vous pouvez toujours en acheter d'autres. Merveilleuse récompense. À la prochaine. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ouais. Bonjour. Ah, d'accord. C'est ce qui se fait au fur et à mesure. D'accord. C'est pas mal. Okidoki. Alors. Ok. D'accord. Moi, ce que je veux, c'est que je veux collection. Mamma mia. Ah, on y est presque. Même un tous, outils, émeutes. À vos marques. Non, aperçu. Get set. Ready. Attention les arcanophobes. Yow. Boucher de saut de sang. Le choix de la contemplation. Et a marqué un coup de pied, pas coup de pied à terre au pluriel. Ah,
Voilà. Alien. Allez, on fait du fromage, on regarde ce que ça donne. Twitcher, Twitcheuse, mes petits loups, à très bientôt sur Tezo ou un autre jeu vidéo. Ciao, 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 ciao.